avant le matin, j'ignorais que ce jour-là marquerait un tournant radical dans ma vie. S'il vous plaît, Grace, dites-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? J'étais dans une telle solitude depuis mon divorce. Je veux aimer à nouveau, je veux être aimée à nouveau. Arrête de rester cloîtrée chez toi et tu trouveras l'âme sœur. Je sais, il faut les voir sous un bon éclairage. Et effectivement, le meilleur angle où se placer, c'est ici. Chérie. Salut. Elles sont magnifiques. Pas tant que toi. Merci. Il y a une question que je me pose. Vous devez fréquenter de très ravissantes jeunes femmes. Alors je me demandais, pourquoi moi? Quand la question serait, pourquoi pas vous? C'était de plus en plus difficile. Je n'aurais jamais pensé qu'un homme puisse être aussi parfait. Veux-tu m'épouser? Un véritable tourbillon. Ça a été la période la plus heureuse de ma vie. C'est là que tout mon univers s'est effondré. Avec qui tu parles? Grace, je déteste me sentir espionnée. Monsieur Clyde, demande à ce que vous veniez en salle de réunion. J'arrive. Vous avez 24 heures pour rendre cet argent, ou c'est la prison. Mais quoi? Comment ça? Quel argent? Quelqu'un a piraté mes comptes et a eu accès à mes mots de passe. Quelqu'un a usurpé mon identité. Comment tu as pu me faire ça? Je risque d'aller en prison. Je suis ton mari. Tu connais la loi de cet état? Cet argent est à moi maintenant. Tu m'as sacrément facilité la tâche. Honnêtement, avec les femmes de ton âge, c'est du tout cuit. Nous trouvons devant la prison de la ville où Grace Waters est détenue pour l'instant. Quelque chose ne colle pas. Où est le corps? Dites-le-moi. Il n'était plus là. Il avait disparu. Je suis sûre que cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Quand on sait quelque chose et qu'on ne le dit pas à la police, c'est un crime, exact. Oh mon Dieu. Mais c'est votre ami. Tentez-vous de la couvrir? Objection, monsieur le président. C'est injuste. C'était votre boulot d'entrer dans la salle et de faire en sorte que ce soit juste. Ne me ramenez pas là-bas. Oh, darling, if you see the devil, won't you tell him I'm coming home?